Kama. Sapama. Aïe. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Je viens voir le patron de ce salon, monsieur Abbas. Abbas n'est pas le patron d'ici. Abbas n'est pas le patron, c'est moi le patron d'Abbas. Quoi? C'est moi qui l'emploie ici. Si moi je veux le chasser, je le chasse du jour au lendemain. Il n'est rien, Abbas n'est rien. Bon, je vous explique monsieur. En fait, j'ai participé à un casting par rapport à l'entretien de ce salon. Donc comme j'étais retenue, je suis là ce matin pour une prise de contact avec le boss. C'est moi le boss. C'est vous, monsieur. Le patron, c'est moi. Monsieur Bouhou. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Julie. Julie. Julie, monsieur Bouhou. Ah, Julie. Oui. On n'a qu'à se tutoyer, c'est monsieur. C'est moi qui ai construit ce salon avec mon propre argent que j'ai gagné à Tokyo, en passant par Planète Hollywood, Osaka et tout. Moi, j'ai géré le Montrocadéro, j'ai géré Planète Hollywood, j'ai géré la Tour Eiffel, j'ai géré le Pentagone, j'ai géré le Guantanamo. Quoi ça? Le Guantanamo. Le Guantanamo. Oui. Mais ça, c'est où, monsieur Bouhou? Hein? Le Guantanamo, c'est où? Le Guantanamo. Oui, parce que moi, bon, je ne sais pas, Donc, vous ne savez pas où c'est situé? Non. Oh, papa, tiens. Vous ne savez pas où est le Guantanamo? Non, monsieur Bouhou. Bon, si c'est pas en Espagne, Mexique, bien, je travaille là-bas. Encore mes félicitations. Merci, il n'y a pas de quoi. C'est ton thème qui est là? Oui, c'est mon thème. Naturel? Oui, monsieur Go. Je peux toucher. Toucher? Mais il n'y a pas de problème. Ah bon? Là, c'est mon thème naturel, monsieur. Il n'y a pas de problème, vous pouvez toucher. Oh, ouh! Kaya! C'est comme du coton! Merci beaucoup. C'est comme ça partout, tout le monde. Oui, partout. Ah, là, partout. Même, tout est comme ça. Tout est comme ça, monsieur. Ah, je suis de nature claire. Ma mère est claire, mon père, bon. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu as des prédispositions naturelles pour tenir ce poste? Il n'y a pas de problème, monsieur. Ah, oui, monsieur. Comptez sur moi. C'est vrai? Oui, monsieur. Je peux voir. C'est-à-dire... Je peux commencer. Non! Est-ce que je peux voir de près les prédispositions naturelles que vous me présentez? Voir de près, c'est-à-dire, monsieur. Bon, voilà, je vais voir. Ah! Monsieur! Ah. Mais c'est dangereux! Tu me bloques! Ah, ah bon? Explique-moi bien, moi je sais pas. Non, il n'y a plus d'explication. Donc, on ne se comprend pas, monsieur. On se comprend. On ne se comprend pas. Ça veut dire que tu as honte de ton corps. Ça veut dire que tu ne mérites pas le poste. C'est pas entendu, monsieur. Parce que celle même que j'ai chassée, pour faute grave, je l'ai visitée jusqu'au string. Maintenant, si tu ne tiens pas ce poste, bon, je suis désolé, mais je vais appeler une autre pour... Non, monsieur, c'est pas ça. Et alors quoi? Non, j'ai trop de problèmes. Il y a longtemps que je cherche ce travail, monsieur, s'il vous plaît. Alors quoi? Non, ne me faites pas ça. Déposez. Donc, on va s'entendre, monsieur. Déposez. Donc, je peux vérifier. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc enlève tes habits. Enlève tout. Bon! Aïe! Bon, tu n'es pas reconnaissant. Kaya, Abbas, je t'ai fait quoi? Tu m'as tué. C'est comme ça que tu m'accueilles. Abbas, tu m'as tué. Comment ça? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu es contre mes intérêts? Bon, c'est moi, Abbas. Tu es là? Bon, c'est qui, c'est là? C'est la remplaçante de Fatou. Aïe, t'as renvoyé Fatou. Toi, tu sais pas que Fatou a commis des erreurs graves? Ah, mais... Hein? Fatou, moi, m'a énervé, quoi. Ça dit quoi ça? Au moins celle-là, ça va. Ouais. Au moins avec les Chinois, on est en sécurité. Je t'ai giflé. Qui t'a dit que c'est une Chinoise? Eh? C'est pas Chinoise. C'est pas une Chinoise. C'est même couleur, mais c'est pas la même chose. Bonjour. Je m'appelle Abbas, le coiffeur qui ne rate pas de coup. Enchanté, moi c'est Julie. Julie. Boss, on est branché. Abbas, je t'ai giflé. Quand tu la regardes, vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Tu vois pas le contraste? Moi, au moins, elle se rapproche de moi. De tu tout manger dans sa main. Tant que moi, je ne suis pas dans sa vie, personne d'autre ne mange. Regarde-moi ça. D'accord. En douille. Julie, ça va, non? Ça va.
Tu vas prendre le service déjà. Dès demain, tu commences le travail. Boss, oui. Excuse-moi. Oui. On a pris des produits avec une dame là. L'agence, c'est 25 000. Mon transport pour aller là-bas, 5 000. Pour donner ça fait combien? 30 000. Mm-hmm. Tu donnes ou bien tu donnes pas? Je donne. Ah, d'accord. Boss, je lis, ça va. Ça, c'est... Eh, hey, boss! Non, laisse tomber! Eh, boss! L'argent, là. Moi, j'ai l'argent, tiens. Allez, allez. Non, l'argent, pour moi, c'est rien. L'argent, ça sort. Tant qu'on demande, moi, je donne. C'est-à-dire, bon, donc, tu commences à travailler. Boss, hein? Ma maison, ça coule. Hein? Pas fait ça. Ça, c'est quel signe, ça, je vois pas. Hein? Non, j'ai... Ma maison, ça fait 30 000 francs. Plus mon transport, 5 000 pour aller donner de l'argent au propriétaire. Julie, ça va bien? C'est mon boss. Il a travaillé à Osaka, Planète Toulouse. 5 000 francs mon transport. 5 000? Mm-hmm. Hey, Julie! Hey. Boss! Ah, d'accord. Voilà, donc tu commences demain à 18h, tu finis à 22h. Ok, monsieur. Mais ce qu'on a commencé là, il faudra qu'on se retrouve ce soir déjà pour profiter ça, quoi. Ce soir? À quelle heure? À 22h. À 22h. Voilà, là. Bon, ben, je vais vérifier le reste. C'est ça, on dit femme de ménage. C'est ça. Quand on voit même, on sait déjà. Ah! Mon boss, on a dit. Ah, bah, viens ici. Tu es malade. Tu es malade. Non, il m'en va, il se passe. Tu vas où? Avec mon argent. Donne mon argent. Quel argent? Oh, donne l'argent là. Regarde-moi. Je vais te gifler tout de suite. Mais tu m'as donné l'argent devant la fille. Mais tu es malade de me demander de l'argent devant elle. Si je ne t'ai pas donné, elle va passer quoi de moi? Ah bon? Oh, donne l'argent.